Puis-je donner la parole à monsieur le conservateur de la Maison des Géants? Ben, c'est un grand plaisir que je vous accueille ce soir. Ça me fait plaisir d'accueillir cette bulle. Non, ça fait plaisir de voir les uniformes, ça fait plaisir de voir les drapeaux, les chemises qui ressortent. Bien qu'on a la chance au niveau des musées, vous le savez, de rester ouvert, et donc la Maison des Géants continue à vivre. Et d'ailleurs, on est en train de préparer notre nouvelle exposition qui démarrera le week-end prochain. Pas de vernissage, on se réserve en fonction de l'évolution des protocoles pour faire un truc un peu plus convivial, on l'espère, à la fin du mois de juin. Et donc voilà, le musée continue à vivre. Et donc aujourd'hui, on est content d'accueillir les porteurs de Samson et au-delà de ça, leur escorte, et à la fois qu'elle soit armée et musicale avec les Bleus et avec Bouvet. Rappelez-vous, en 2019, le groupe de Samson nous a annoncé vouloir fêter le 350e anniversaire du géant en 2029. Donc, ils n'ont jamais les choses à moitié, puisqu'ils ont dit qu'un anniversaire comme celui-là allait se préparer sur 10 ans et qu'ils étaient prêts à arriver avec les idées les plus folles et les plus dingues tout au long de ces 10 années. Donc, ils ont déjà pour renaître le 24 août 1806. Ton téléphone sonne. 1806. Samson endosse alors l'uniforme de garde civique local d'inspiration Premier Empire. La tête actuelle en est encore le témoin aujourd'hui. Il faut savoir que la tête actuelle de Samson date de sa reconstruction. Très bien. À Sainte-Hélène, à Sainte-Rolande, nous n'irons pas. Mais oui. On n'entend plus rien. Je répète, à Sainte-Hélène, à Sainte-Rolande, nous n'irons pas. Mais à Sainte-Marguerite, nous croyons. Patronne de nos bleus, du serment des canonniers arquebusiers depuis 1696. Jadis, le 15 août,